Une semaine après le dramatique accident qui a coûté la vie au petit Tom, 2 ans et demi, les parents de l'enfant ont décidé de se constituer partie civile auprès du juge d'instruction pour comprendre ce qui s'est vraiment passé sur ce passage piéton. Ce sont des gens qui sont particulièrement dignes et qui souhaitent avoir des explications. C'est quelque chose de difficile à vivre pour des parents. L'instruction est relativement longue. Ils attendent de savoir ce que va dire la justice et d'essayer de comprendre quelque chose qui est pour eux incompréhensible. Les premiers éléments de la reconstitution qui s'est déroulée la semaine dernière évoquaient un homme fragilisé, souffrant de surdité. Une question reste donc en suspens. Le conducteur, âgé de 81 ans, était-il encore apte à conduire ? Notre système judiciaire est fait de telle sorte qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de conduire tant qu'il n'a pas causé un accident. Mais il y a une responsabilité morale. Je pense que chaque conducteur doit apprécier s'il est capable physiquement ou psychologiquement de conduire. Et il ne doit pas attendre d'avoir un accident pour s'arrêter de conduire. Et je pense que ces gens qui ne sont plus capables de conduire et qui continuent néanmoins à conduire sont des criminels en puissance. Il y a, je pense, un vide juridique. Notre gouvernement est très prompt à réformer en matière de sécurité routière, très étrangement. En ce qui concerne la conduite des personnes âgées, aucun texte n'est passé. Alors j'ai peut-être un début d'explication, ça tient peut-être compte du fait de l'âge de nos parlementaires qui ne souhaitent pas légiférer dans un domaine où ils seront peut-être bientôt concernés. L'automobiliste a été mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire et de repasser son permis. Il encourt 7 ans de prison et une amende de 100 000 euros.